Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de un peu de plugins sur un plugin qui va être assez dur à utiliser pour certains, donc qui s'appelle Citizen de Bugit qui permet de créer des NPC. Donc pour créer des NPC, c'est facile. Il faut télécharger le plugin Citizen, donc où je vais aller directement sur la page, vous inquiétez pas, tout de suite. Donc Citizen. Citizen, je l'ai déjà. Hop. Citizen Bucket. Donc Citizen, je rappelle, ça sert à créer des personnages, comme des vrais personnages, mais des PNJ. On peut dire comme ça. Donc il est toujours en nouveau développement parce que c'est quand même un plugin assez connu. Donc il est déjà sorti aussi pour la bêta de la voix 6.2 et de la alpha de la voix 6.4. Voilà. La page, vous le téléchargez et tout, je vous mettrai toujours le lien dans la description, vous inquiétez pas. Voilà, quand vous l'avez téléchargé, vous allez .jar, vous le désinstallez pas, vous prenez et vous allez le mettre dans votre fichier là ou dans votre dossier plugins de votre serveur, donc du fichier. Pourquoi j'ai fait Fizilens? Je sais pas pourquoi j'ai créé ça. Fizila. Fizila. Ah, Fizila. J'étais trompé de nom. Fizila. Serveur, reconnexion. Voilà. Donc. Citizen, donc ça vous l'aurez pas le dossier, vous inquiétez pas. Et vous avez votre voilà, vous mettez, vous redémarrez la routine habituelle, vous redémarrez votre serveur, vous faites un flash forward. Donc vous aurez votre Citizen. Normalement il n'y a pas de plugins. Là c'est les saves qui étaient faits par Citizen au cas où s'il y aurait eu un reload du serveur et tout, ça revient aux anciennes saves. Donc dans les configs, normalement il n'y a rien à configurer, hein. Tout est fait par le serveur. Sauf les messages, je pense qu'il y a peut-être les messages que vous pourrez. Par exemple la section loSelected. Sélectionnez. Voilà. Donc l'item pour sélectionner, c'est 280, donc c'est le bâton. Donc vous pouvez personnaliser, vous mettez un autre item si vous voulez. Je configure un peu les messages pour pouvoir. Ouais. Hop. Boum. Boum. Voilà. Donc langue. Message property. Affiché. Ouais, donc ça, c'est tout ce qui se passe sur le serveur, je pense. Donc les trucs, les patati, patata. Voilà. Ça, vous avez rien à faire. Et les saves, vous avez rien à faire. Voilà. Donc on se retrouve direct sur le serveur. À tout de suite. Donc nous revoilà sur le serveur.
Donc, je prends les objets que j'aurai besoin en cours. Donc, j'ai juste besoin de ça. Donc, pour créer. Donc, bah, il y aura les permissions aussi à faire. Hein, vous inquiétez pas, vous aurez la documentation sur le site. Donc, pour créer, Flash. NPC, Create. Donc, bah, vous pouvez donner un nom de skin ou un nom normal. Donc, par exemple, moi, j'ai donné mon nom de skin. Hop, je l'ouvre. Donc, j'ai mon skin comme NPC. Voilà, je l'ai créé. Je veux qu'il regarde les gens quand ils passent. Flash NPC. Look. Close. Voilà. Vous pouvez tourner. Il va tourner avec vous. Voilà. Vous voulez qu'il soit équipé d'objets. Vous faites Flash NPC équipe. Voilà, rich click to equip the NPC. Donc vous prenez les objets que vous voulez. Par exemple, moi je vais lui donner une épée en fer. Des potes, genre en bière. Ça, et puis ça. Donc hop. Donc on fait un clic droit sur la NPC, bien sûr. Voilà, là il est équipé. Pour enlever l'équipe, on refait la même commande. Donc voilà, il regarde toujours avec vos objets. Voilà. Vous voulez qu'il parle. Flash NPC, add. Je regarde si c'est bien ça. Ah ouais, vous pouvez aussi lui changer son âge. Je dis 12. Non, c'est pas ça. Bonsoir. Je crois que c'est add. NPC. Flash NPC. Ouais. Flash NPC. Si je fais flash ça, non. Flash NPC help. Voilà. Name select. Non. Patron. Non. Contrôle. Contrôle-F TPR. Bon, là c'est TPR, c'est pour téléporter le NPC à vous. Si vous voulez changer d'espace, ah ouais, toggle the test editor. Voilà, Flash NPC test. Hein, si vous voulez le faire parler, voilà, il vous suffit de faire add comme ça. Si je me trompe pas, add. Bonjour. Comment vas-tu? Voilà. Et je vais la rajouter encore. Effet beau temps. Bonjour. Voilà, Flash NPC. Je pense qu'il faut refaire la même commande. Voilà. Normalement, on va lui échapper. J'ai un problème de... je sais pas. Il parle pas. Bon, voilà comment il fallait faire pour le dire. Hop, flash help. Bon, else, ouais. Help 2. Flash NPC remove, ça c'est pour remove la personne, donc je vais pas le faire. Bien sûr, faut l'avoir sélectionné avec le sletic. Donc le bâton, faut faire clic droit sur sa tête pour le sélectionner. Spawn, create news. Voilà. 3. Je regarde un peu. Vous pouvez lui donner une profession. Vous pouvez le changer en un mob.
Vous pouvez le faire bouger, tiens. Je vais vous le faire montrer. Exemple, je veux le faire venir. Ici. Je vais le faire venir. Ici. Je veux le faire venir ici. Ici. Maintenant, il va faire un genre de petit carré. Pourquoi s'arrêter? Voilà, vous avez vu comment il fallait faire pour bouger, pour le faire bouger. Une posture, refaites ça pour l'enlever. Donc après, vous pouvez faire son type. Le close, c'est bon. La page 4, short. Ouais, vous pouvez vous TP au truc si vous vous rappelez plus où clé était, TP lui. Au truc, horse pour changer en horse, ouais. Vous pouvez lui donner des power. Ah, c'est peut-être ça. NPC speak, message to speak. Non, peut-être pour. Je ne sais pas, je connais pas vraiment tout. Hein. Et le 5, vous pouvez donner des moons, ouais. Vous pouvez le changer en game mode. Wolf, c'est pour truc. Vous pouvez le faire aller beaucoup plus vite. Vous pouvez le copier. Vous pouvez l'équiper, ouais, et tout. Donc, par exemple, je vais changer son speed flash NPC. Speed 5. Là, normalement, il devrait aller beaucoup plus vite. Voilà. Et là, il va beaucoup plus vite. Et la valeur maxi, 10. Là, normalement, il devrait aller beaucoup plus vite. Largement. Moi, c'est arrêté. Bon, j'ai un. J'ai. Voilà, qu'est-ce qu'il fait quand je lui mets 10? Il tourne en On va remettre sa valeur natale. 1. Il lui faut un peu de temps pour que. Donc évitez de mettre 10 parce que sinon il va courir dans tous les sens et ça va pas le faire. Voilà. Et la dernière commande que vous ferez voir. Bon, moi comme il est déjà sélectionné, je le fais pas. Flash NPC remove. Et voilà, il va se remove vide. Donc pour vous faire voir comment ça fonctionne le stick, je vais en créer deux persos. Parce que sinon vous ne pourrez pas le voir. Flash NPC gratte. Shlorim Mister Fana. Voilà. Par exemple, là j'ai deux persos. Celui-là, je peux le supprimer juste en faisant NPC remove. Je veux en supprimer un autre et que j'avais déjà créé. Pour éviter de supprimer celui que j'ai créé et pour en supprimer un autre, on vient ici. La tête, bon, elle penche. On vient faire ça. Boum. Attends, normalement, là, voilà. Your selected Shlorim. Je suis après, il me reste juste à faire la routine habituelle. Flash. Hop. 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 Voilà. Je vous ai appris à peu près toutes les commandes. J'espère vous avoir aidé sur ça. Comment installer, configurer et utiliser. On se retrouve à très bientôt pour d'autres nouvelles trucs. Et allez, à plus, bye bye tout le monde. Ciao.